Il te faut le permis poids lourd pour utiliser ce machin-là, regarde! Eh, tu vois pas la longueur? Eh! Bon, n'abuse pas. N'abuse pas de quoi? Ah, n'abuse pas, c'est bon, il est petit. Bon, attends, attends, eh, il est petit. Au pas à l'attentoir, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 12, 22, 13, 17, 18. 18 mètres? Ouais. Attends, il est pas à la JP? Ça commence là, hein? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh, déjà, ça s'arrête là, donc t'as tort. C'est 12 mètres. Et, il démonte quand même, le nouveau case. Ouais, il est beau. T'as vu, ils l'ont peint en vert. Ouais. Il est beau, c'est le tout nouveau, les gars. Édition 2024, avec le tout nouveau hydrofour. T'as vu le nouveau classe, là-bas? Attends, je vais aller le voir. Ils vont rager, mon gars, dans les commentaires sur TikTok. Du coup, ce truc-là. Ah, ça, c'est, je crois que c'est, attends, c'est pas un endénaire, ça. C'est pas les machins que tu projettes, ça. Bah si, je crois que c'est un endénaire, non. Non, là, par contre... Non, en vrai, sérieusement, je sais pas. Il y a des pick-up, ça sert à quelque chose, c'est pour monter quelque chose. Pour moi, c'est ça, ça doit être un endénaire, je pense. Je sais pas, mais ça projetterait où? Ah, ça projetterait tout sur un côté, peut-être. Ou au milieu. Non, tu peux pas au milieu, y a pas de trappe. Bah si. Non? Non. J'ai jamais vu un machin comme ça. Bah si, regarde, en plus là t'as des... comment ça s'appelle? Les tabliers. Ouais, mais après ça se replie, ça. Ouais, je sais, mais vu que t'as les tabliers, je pense que c'est pour l'herbe, non? C'est un... Ça doit être un endénaire. Oh, ça doit être un joueur d'endénaire, je pense. Mais il est balèze, hein. Là, tu vois, c'est une barre de coupe comme ça, ça, tu vois, j'ai plus l'habitude de chonner, ça. Là, celle-là, ça va, mais tu vois pas le bébé à côté, toi? Ça sera combien? 826. Ah, le cas, il démonte. Ça, ça doit être... Je sais pas c'est quoi. Ça doit être pour les pommes de terre ou les betteraves. Dites-nous en commentaire. Oh, lui, il est stylé, regardez. Il est beau, j'aime bien les anciens tracteurs. Ils ont toujours eu une belle gueule, hein, les cases. Les pulvées. Donc, combien de mètres? Oh, celui-là, c'est déjà des gros. Hein. Ah, ça, c'est un. Comment ça s'appelle déjà? Laisse-moi dire, je vais le dire. 20 letters. Non, mais vas-y, laisse-moi réfléchir. 20 letters. Des fois, mon cerveau, il fonctionne pas. Un bol mélangeur. Là, vous avez un bol mélangeur pour donner des rations au meux. Bon, il a bien été servi, hein. Ils l'ont bien utilisé. Bon, bah, attends, l'extérieur, il est propre. À l'intérieur, tu veux aller voir? Ouais, je vais aller voir. Faut le poser à vie tant que ça. Hein. Y a pire, hein. Moi, j'en connais avec la caisse ouverte. Hein. T'as vu la vieille barre de coupe, là? Ça doit être une 3 ouais, mètres... Ouais, c'est vieux, ça. Regarde, y a rien de serré en sécurité, regarde. 3 mètres 50, non? Eh, on n'est pas les seuls à avoir fait les curieux. Non. Mais bien, si ça se trouve, on va tomber sur une mine. Il y a quelqu'un qui est venu chier, là. Ouais, c'est vieux, ça. Oh, regarde, ça fait des années qu'elle est là. Regarde la mousse. Ça vient d'une New Holland, ça, ou une case. Tu crois? Ouais, elle avait vu la couleur, ouais, je pense. L'herbe est magnifique. Tu vois, là, nous avons une variété de plantes qui fait poule ou coq. Autre variété. La variété qui fait tu aimes le beurre ou non. Autre variété. La meilleure variété pour t'essuyer les poils du cul quand tu as été pondre un œuf derrière la benne. Bah ouais, bah regarde, elle est là, la moissonneuse. En plus, j'ai dit des conneries, c'est pas une Yolande ni une case, c'est une Laverda. Une Laverda. Dites-nous en commentaire, les gars, si vous connaissez. Oh, elle est rouillée. Oh, bouffée par la rouille. T'as un ancêtre, hein. C'est, ça, c'est du vieux de la vieille. Ah, ça, c'est un. Donc, c'est totor déjà. Une épareuse. Une épareuse. Pour couper les. Les haies. On est où là? On est. Oh, on a même pas dit où on est. Non, mais où, arrête de zoomer comme ça. On est chez David Aguise. Ah, et il y a quoi, David Aguise? On sait même pas, il y a quoi. C'est la journée porte ouverte. Ouais, la journée porte ouverte. On vient comme ça. Ouais. On nous a dit, vous avez le droit de rentrer, vous êtes agriculteur. Ouais. Et ça, il l'a dit, le gars. Hein. Donc, ceux qui vont regarder la vidéo, on est agriculteur, donc on paye pas. Voilà. Bon, Totor, on vient de rentrer là. Totor? Oui. On vient de rentrer, tu vas te mettre ta tête là dans le tracteur. Ah, là, dans le tracteur? Oh, bah, ouais. Ça va bien là? Ah, baissons un peu. Voilà, c'est mieux. Là, on dirait André, tu sais. T'as vu le petit case là? Avec les paresses derrière. Alors là, petite question, gars, viens faire voir. Ça, c'est à quoi ça? C'est un marteau ou un fléau? Dites-le dans bah, les attends, commentaires. Bah attends, on va demander. Bonjour, ça dérange de passer en vidéo? Non, je vous connais, je suis abonné. Ça va? Ça va? Oui, vous. Bah, vas-y, on resserre la main. Ouais, là, c'est mieux. Ça, du coup, c'est un marteau ou un fléau? Pour moi, c'est fléau, ça. C'est fléau. Ouais, fléau. Et c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'un fléau, c'est une machine qui frappera, mais sera légèrement décalée vers la droite ou la gauche selon la résistance de l'herbe en dessous. Et marteau, et c'est quoi l'autre? Marteau ou fléau? Marteau. Et c'est quoi la, le marteau? Le marteau reste fixe. Ok. Marteau, il reste. En fait, mais marteau, il broie plus, peut-être? Il reste comme ça, en fait. Il bouge ah ouais. Comme ça. Et fléau, ça, il y a un mouvement entre les deux. Là, c'est ça. Ouais. Et c'est quoi le mieux? C'est à peu près l'équivalent. D'accord. Je savais que vous alliez passer, je voulais une photo. Ah ouais, ah bah vas-y. Sautez pas sur à 100%. Du coup, tu seras en vidéo, ça dérange pas? Allez, on fait une belle photo. En plus, j'ai déjà été en live TikTok avec toi et tout ça. C'est vrai? Oh, peut-être, ouais. Tu sais, il y a du monde à chaque fois quand on fait des lives. Monte dessus. Yann, tu montes dessus. Comme ça. Yop. C'est bien voulu. Mais ça sert à quoi, genre? C'est pour prendre le fumier tout ça? Dans les petits bâtiments. Il est agriculteur. Ça coûte combien? Ça, ça serait vrai, il y a beaucoup d'exploitation aussi. Bon, allez, viens, on va fumer les grimes. Ah, oh, bah, Dieu. C'est un des chômeurs. Ouais. Il est énorme. Il mesure combien? Le... Des chômeurs. Il mesure combien? Attends. 1, 2, 3, 4, 5,
5 mètres, 56 mètres. Ouais, plutôt 6 mètres parce que toi, tu fais des pas d'emballeur, toi. Il faut combien de chevaux pour tirer ça? 300, 400 minimum, minimum 300 chevaux. T'as vu les dents? C'est des dents, on dit ça, des dents. Oui. Donc ça, c'est les dents qui permettent de, d'ouvrir le sol. Oui, ça fait une saignée dans le sol. Ouais, ça fait une saignée dans le sol. Et après, quand t'as passé ton coup de déchaumeur, tu passes un coup de... Tu passes directement le semoir ou alors un coup de vibro. Tout dépend. Ça, c'est un vibro, ça. D'accord. Ça, c'est un vibro, culteur. Bah pourquoi alors on dit déchaumeur, vibro? Là, pour de vrai, je sais pas si c'est vraiment un déchaumeur ou un vibro culteur. T'as vu la charrue 5 socles? Mais les socles, ils sont immenses. Ah ouais, c'est une grosse, hein, celle-là. Ceux-là, les petits, je sais pas à quoi ils servent. C'est des rasettes. Ça sert à quoi? C'est fait pour retourner ta terre. T'as vu, celle-ci, elle est plus petite. Après, tout dépend, hein. Ça dépend ce que tu veux. Celle-là, elle fait peut-être varier. Ouais, là, ça, c'est pareil. Il faut 300 chevaux pour tirer ça. Non, là, non. C'est plus de 5 fers. Mais ouais, après, mais... ça dépend le nombre de pouces. Ouais, mais t'as vu la taille? Justement, celle-là, c'est une grosse. Ça dépend le nombre de pouces. Tu vas mettre ton Voltra. Le Voltra, il va véler. Hein. T'as vu le semoir, là? Ah! Un combiné de faux charge. Et venez, on va voir le combiné de faux charge. Eh, hey, t'as vu? Attends. 1, 2, 3. 3 mètres devant. Là, l'arrière, ça doit être du 4 mètres de chaque côté. Et il est hyper beau. Une. J'ai toujours bien aimé cases. 3. Ah ouais, donc en gros, t'as 6. Bah, c'est 6 mètres. 9 mètres. 9 mètres en tout. De l'autre côté. Ouais. Ouais, bah ouais. Bah, 3 et 3. 3 et 3, 6 plus 3. Aligné, ouais. T'as vu celui-là, regarde. Ça, c'est une frontale, ça. Putain de beau matériel quand même. Alors, t'enlèves, je vais regarder un peu. Ils veulent peut-être voir, attends. C'est une faucheuse, ça? Ouais, c'est pour l'éclater. L'éclater. Attends. En gros, les dents que t'as vu là sur le devant, en gros, c'est fait pour délayer l'herbe que tu vas avoir. Ça va pas faire de paquet, ça va t'économiser normalement un tour de pirouette. Tu fais un tour de pirouette en moins. De pirouette? Bah oui, quand tu pirouettes. Ah oui, parce qu'en gros, ça éclate. Ça éclate un peu plus. Ça éclate déjà à la fauche, quoi. Ok. Si je dis pas de bêtises. Oh, puis même si j'en dis, je m'en moque. L'endénaire. Oh, moi, je vais aller voir le semoir. Ouais, c'est quoi, ça? Putain, j'ai mis des petites chaussures, ça fait mal aux pieds. Ça, c'est quoi, ça? C'est une rasette. C'est des rasettes. C'est pour aller dans les betteraves, ça. C'est pour aller entre les... Ah, c'est pour enlever les feuilles. Non, c'est pour ce qui pousse entre les... C'est quoi, ça? Je sais pas c'est quoi. Ça sert à quoi, ce truc-là? Attends, dérègle rien. J'ai rien touché. Hein. Ça, c'est pareil, c'est quoi, ce machin, là? Quoi, ce machin? T'as vu le pulvé? Il y en a plein qui ont cette marque-là dans notre coin. Ah, ça, c'est pour mettre tes produits. Tu vois, tu passes par là, par les escaliers, je suis passé, puis là, tu les mets directement. Est un jeu qui... On fait un plan panoramique de l'événement David Aguillon. Voilà, et donc c'était une caméra sport vidéo. On continue avec un... Et là, on descend en marche arrière, pas en marche avant. On va voir comment on descend correctement. Tu fais tomber mon téléphone, je te tue. Ouais, t'as raison. On descend comme cela, en marche arrière. Éric Delvoye. Regarde, ça, c'est un déchaumeur à disque, ça. Et c'est quoi la différence entre à dents et à disque? Je ne suis pas assez compétent pour dire vraiment ce que c'est. Je sais qu'il y a deux types, soit à disque, soit à dents, mais je ne saurais pas vraiment dire à quoi ça sert. Moi, j'ai déjà travaillé avec des déchaumeurs à dents, mais pas à disque. Je sais pas. T'as vu le semoir? Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il repart. Il est pas mal. Juste devant nous, une Varitron 470 TerraTrack. C'est une arracheuse à pommes de terre. Capacité de, au niveau de la trémie de 7 tonnes. La trémie, on peut la retrouver là juste ici. Je sais pas si tu arriveras à me suivre, Tony. Bah, d'ailleurs, je sais pas si on a accès à la trémie. Attends. Ah, bah la trémie, on la voit là, donne le téléphone. Donc là, ici, vous avez la trémie où les pommes de terre sont entreposées. Donc 7 tonnes de capacité. Là, vous avez la cabine. Je l'ai dit, le nombre de chevaux? Non, attends. C'est pas grave, redis-le en descendant, il faut qu'on te voit. Donc la machine fait 460 chevaux. Niveau spécificité de la machine, je pourrais pas vous en dire plus malheureusement parce que je ne connais pas le sujet. Si jamais il y a, imaginons, un commercial en agriculture qui voudrait nous présenter du matériel, vous me contactez sur mon Instagram juste ici. Donc si jamais il y a un commercial ou un agriculteur qui voudrait nous présenter cette machine-là, bah, c'est avec plaisir, je ferai le déplacement. Je peux me déplacer aux alentours d'une vue en tirage à une heure approximativement. Là vous avez le devant qui permet d'arracher les pommes de terre. Nous sommes devant une machine Grim, une arracheuse à betterave, donc une Rexor 6300 qui développe très exactement 653 chevaux. Là-bas, vous avez un hélico qui est en train de décoller. Je sais pas si on le verra. Je le vois pas, il est où? En vrai, ça serait trop intéressant de présenter l'hélicoptère, en vrai. Gagne, là. Donc comme j'étais en train de dire, donc c'est une arracheuse à betterave, donc 6 rangs au niveau de devant pour arracher les betteraves. La trémie, elle fait 45 mètres cubes, 653 chevaux en avantage. Donc c'est un nouveau groupe d'arrachage qui aurait dessus. Là, c'est une nouvelle machine qui vient de sortir, donc elle débiterait et elle aurait 25% supplémentaire de débit. Elle effeuille et elle scalpe la feuille de la betterave. Il y a une effeuilleuse avec un système inline et fléau en acier. Il y a des nouveaux scalpeurs réguliers, légers et sans entretien. Bâti arracheur avec roue Opel à entraînement hydraulique. Unité de nettoyage composée de 7 rouleaux. Là, on va faire un petit tour. Au niveau des pneumatiques, on est sur du combien, Totor? Alors, du 800. Du 800.
T'as vu, j'ai même pas besoin de regarder, je peux leur montrer la trémie.